c'est se passer avec les lasers. Voilà, les deux shines. Il y a deux shines qui ont fusé. Un shine, ça en permet d'enchaîner énormément. Re-un shine. Là, un shine, très très bonne DI ça de la part de Charlon qui s'est mis bien à distance. Super bien envoyé sur le côté. Alors le rouge est Baxon, le vert est Charlon. Donc pour le moment c'est Baxon qui a mis un bon début. Des shines, ça enchaîne. Oh dommage, un fantomite. Le fantomite, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on touche l'adversaire en fait, mais de juste quelques pixels, qui fait qu'il prend les pourcentages, mais en fait ne prend pas le knockback en fait. Il a pas le, il peut pas, il se déplace pas en se prenant l'attaque. Nous avons Baxon qui essaie de revenir par le haut, mais Charlon qui l'attendait. Pour le moment c'est bien tendu, on voit que c'est rapide. Ça fait moins d'une minute, il y a déjà deux vies de partie. Baxon qui chope l'adversaire, malheureusement il arrive pas à enchaîner. Charlon qui vu le coup moins raté, lui tombe dessus. Et fait perdre sa vie directement à Baxon, qui perd sa vie à 36%. 36%, ça perd une vie. C'est ça qu'on disait, ça va aller vite. Baxon qui met la pression sur le bord, qui le repousse. Et voilà. Ça perd les vies tellement vite, mais tellement vite, mon dieu. Ça met une bonne pression pour le moment. Baxon qui met, qui trouve la faille, qui place un shine. Un shine égale un combo si jamais il se rate pas. Le shine qui, les deux shines qui clignent l'un sur l'autre. Des grands sauts back air, ils peuvent en remettre un deuxième en descente. Charlon qui trouve la faille, un petit machin. L'aspect. Ils se rendent leur blaster, pépère, tout et tout, ça passe bien. Et Baxon qui trouve l'ADA, qui passe, le blaster qui tombe, monopole, l'ADA, wall tech, wall jump par Charlon Baker pour repousser, dégage de là, c'est bon bord. Le Baker qui repousse Charlon à l'autre bout. Petit jab, petite pression pour le moment, c'est pas trop mal le jab. Ça y est, juste des petits coups, ça se trouvait la faille. Ça c'était bien, le shine, il peut pas lui mettre un backer tout de suite. Donc il ressaute, refait un shine pour se retourner dans son shine parce qu'il veut pas se retourner dans les airs. Il saute, backer, cash. Parce que le coup devant la fin ne peut pas tuer à ce pourcentage-ci. Le backer lui, il peut. C'était bien joué de la part de Baxon. Un fantomite de downer sur l'edge guard. Oh mon dieu. Oui, il y a des fantomites un peu partout. Là visiblement les teams sont vraiment sur leur position. C'est au pixel près, c'est moi je prends ce pixel là, non je refuse. Oh, un combo de Baxon là, quand ça vient parti. Charlon qui essaie de regagner le centre, il essaie de regagner le centre en redoublant d'ingéniosité. Bonne recovery, malheureusement il se refait suivre par Baxon. Et Baxon qui couvre le deuxième saut avec un downer. Victoire de Baxon, 1-0. Ça c'est un vrai combo, il a commencé à droite, il l'a amené à gauche, il l'a maintenu, il l'a ramené à droite pour le tuer à gauche en bas. C'était vraiment incroyable, enfin, c'est ça. Un Falgodito, c'est exactement ça. C'est ça commence un coup et ça n'en finit plus. Ça n'en finit juste plus. Ça va tellement vite, ça se recale et tout. Ça se décale, ça se fait des petites attaques. Ça passe un peg. Et là, Yoshi Story, un tout petit stage. Ils vont être étriqués l'un sur l'autre. Ça va se bourrer. Baxon a changé de couleur et le bleu. Charlon est toujours le vert pour le moment. Petite pression là, ça met. Baxon qui a tenté un truc, mais Charlon qui avance. Charlon qui aime beaucoup Yoshi Story, c'est un peu son stage justement. Un shine, un deuxième qui ne passe pas malheureusement. Des blasters dans le vide, le Titeo qui passe, qui enchaîne malheureusement pas sur un ADA. Il s'attend à mettre la pression, mais Baxon qui revient sur le terrain. Trouve la faille, il le fait monter, le faire descendre, le suit, le pousse de la plateforme et Charlon descend, il met un coup. Mais revient, Edgecott, Baker, il le repousse, un travail tellement rapide. Et un seul, il feinte, il descend, wall jump, il touche du bout avec son ADA. Ça c'était trop stylé de la part de Baxon. Là on a franchement du jeu de malade parce que sur Yoshi Story c'est vachement possible de faire des wall jump et du coup Falco peut faire tout un tas de choses complètement dingues avec. Oh mon dieu, il a dû faire une petite erreur d'exécution, il voulait peut-être faire le backer. Et là franchement on va avoir droit à des petits trucs vraiment grandioses là-dessus, surtout à l'extérieur du terrain. Au centre du terrain ça va être une utilisation très 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 violente des plateformes, ça va être vraiment rapide parce que les plateformes sont extrêmement basses donc les combos se font extrêmement rapidement. Baxon qui renvoie vers l'extérieur à partir d'un backer. Malheureusement là il commence à se faire enchaîner. Charlon qui se met en place là, il est à l'intérieur, il renvoie avec un étraler, il essaie d'être gardé, malheureusement Baxon qui part au plus safe, qui est de s'accrocher au bord, c'est le meilleur truc. Je représente un petit quelque chose aussi, les shines sortent instantanément, zéro frame, etc. Donc en fait, ce que vous voyez assez souvent, c'est que vous avez tout un tas de shines, c'est vraiment au cas où. Et quand ça frappe, généralement ça contre bien, ça permet d'enchaîner. Donc en fait c'est normal que vous envoyez autant, c'est comme des cacahuètes, on commence, ça s'arrête jamais. Voilà en l'occurrence, Baxon qui essaie de revenir, il contre avec le B côté. Il essaie d'utiliser le smash côté, il a fait un deuxième smash côté, ce qu'il a vu, un petit misplacement de la part de Charlon, quelque chose d'un peu trop prévisible avec les backers. Baxon, super,
Charlon qui avait bien anticipé justement ce développement là de la part de Baxon qui face vers le haut. Du coup il a bien attendu. Shine Up B. Shine Up B s'appelle Do the Dash is Wiz. Oh dommage, là ça aurait été vraiment stylé comme système. De toute façon c'est pas un problème, il est quand même monté jusqu'à 108, il a encore l'avantage. Il a voulu le frapper mais là encore une fois Charlon qui apparaît au plus safe. Le plus safe c'est vraiment s'accrocher parce que c'est instantané. À ce moment on peut agir tout de suite après. Et là c'est 1-1, one stock match, ça reste franchement bien serré. C'est le one stock match, c'est une vie chacun. La backstock qui attend le match avant. Il va attendre un peu les blasters pour l'emmerder. Il attend qu'il ramène le back air, il le renvoie d'où il est. Il met toujours la pression, il le fait descendre petit à petit. Le match avant malheureusement chute un poil trop haut. Charlon du coup qui arrive à revenir sur le terrain, il peut toujours revenir, un combo et c'est gagné. Mais la fade de Baxon qui passe, les blasters pour le faire chier. Je peux pas te tuer, c'est pas grave, tu peux pas m'approcher, je blaster de toute façon. Et là Charlon qui trouve la faille, qui attend, qui met la pression. Ada met dans le bouclier les deux, un Ada un peu trop loin. C'est dangereux, il saute, il part vite. Il tente, le blaster qui le dégage un peu trop. L'Ada le shot, et victoire Baxon. Très bien joué Baxon, reste là.